Nous sommes sur le résumé de la course d'un jour italienne qui était à sa seulement deuxième édition, la Per Sempre Alfredo, 172,7 km entre Firenze et Sesto Fiorentino. Le début de la course a été animé par une échappée matinale de deux coureurs, Milesi de l'équipe d'Italie et Merchan. Ils ont eu jusqu'à plus de 5 minutes d'avance sur le peloton. Milesi est parti tout seul, il a été repris à 37 km de l'arrivée. Le final, c'est un circuit à faire 3 fois de 22 km avec l'ascension de la Colina, 3,6 km à 6% de moyenne. À 22 km de l'arrivée, Fiorelli, Heidebrox et Tizza sont sortis mais ils ont été repris. Et finalement, le bon coup, il va partir à 10 km de l'arrivée environ avec Marc Hirschi, le Suisse de la formation UAE Team Emirates, qui va s'imposer en solitaire devant John Smith et Rémi Mertz à 3 secondes et Alessandro Fedeli et Thomas Pesenti. C'est déjà la 20e victoire de la saison pour l'équipe UAE et c'est la 4e victoire professionnelle pour Hirschi.